L'UNURPS réaffirme son opposition à la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé et à la mise en place d'un Sénat ici au Faso. Le parti de l'UF a précisé sa position devant les hommes de médias à Bobo-Dioula ce week-end dernier. Les animateurs de la conférence de presse estiment que le président Blaise Compaoré doit sursoir à son projet de s'éterniser au pouvoir. Romain Key sur place à Bobo-Dioula pour les détails. Face à des voix qui s'élèvent de plus en plus en faveur de la révision de l'article 37 pour permettre à Blaise Compaoré de se représenter aux élections présidentielles prochaines, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIRPS, met en garde le parti au pouvoir pour une éventuelle modification de l'article 37 et de la mise en place du Sénat. Pour Maître Benny Wende Sankara, quand on prône la paix, on ne doit pas s'attaquer aux fondamentaux de la paix. Cette énième tentative de tripatouiller la Constitution rencontre une farouche résistance des masses populaires sous la conduite des partis politiques de l'opposition affiliés au chef de file de l'opposition politique. Notre parti, l'UNIRPS, en tant que parti révolutionnaire et progressiste, est profondément impliqué dans le combat pour la démocratie et pour la liberté. Aux tripatouilleurs de la Constitution et aux antidémocrates, aux impérialistes et aux valets locaux, nous disons ceci. Le prix de la liberté est élevé. Les révolutionnaires l'ont toujours payé. En tout cas, une chose est sûre pour l'UNIRPS, la modification de l'article 37 va rencontrer la ferme détermination de l'opposition et de la société civile à empêcher sa mise en œuvre. Toujours pour ce même combat, une journée nationale de protestation est prévue pour se tenir le 18 janvier 2014, a affirmé Benny Wende Sankara lors de ce point de presse.